Alors, ben voilà, un petit exercice de peinture de cette semaine. Alors, c'est la sous-couche, hein. Donc, me jetez pas des pierres. C'est juste la sous-couche, c'est pas fini. Donc, la semaine prochaine, je vous ferai le tableau final si j'ai le temps de finir. Alors, je viens d'avoir un abonné qui vient de m'appeler là. Et en fait, on avait prié au téléphone ensemble. Et elle avait fait pas mal de choses qui étaient occultes et qui avaient une grosse influence sur sa vie. Et elle achetait tous les objets qui avaient été liés à ses pratiques occultes. Et du coup, elle m'a dit, mais depuis qu'on a prié ensemble, elle m'a dit, je me sens différente. Elle m'a dit, j'arrive mieux à parler, je suis complètement différente, je me suis repris en main. Elle me dit alors que si j'étais resté comme j'étais, ben en fait, c'était une dépression, je faisais comme un suicide, en gros, à petit feu, quoi. Et elle m'a dit que vraiment, ça lui avait fait vraiment du bien et qu'elle aimerait nous revoir pour qu'on continue à prier ensemble. Et elle m'a dit qu'elle se sentait vraiment libérée, légère, comme elle m'a dit. Voilà. Donc, je vous encourage, si vous avez besoin, on est là aussi pour s'entraider dans cette chaîne d'entraide. Et c'est totalement gratuit, bien sûr, hein. Je ne prends aucun centime. Il n'y a pas question de prendre de l'argent ou de demander de l'argent. Voilà. Donc, sentez-vous libre. Je ne suis pas là pour vous influencer dans une religion ou une autre. Moi, je prie au nom de Jésus-Christ et c'est tout. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on voudrait vous partager sur un déroulement, sur le processus du deuil. Alors, je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu et qui accompagnent des personnes malades. Et donc, on voudrait un petit peu s'encourager à pas à vivre, mais à traverser ce deuil. Donc, nous, on est touchés de plein fouet. Ça fait aujourd'hui 4 mois que Fiona est partie de l'autre côté, on va dire. Et donc, on traverse ce deuil eh bien, comme on peut. Et c'est pour ça qu'on trouvait important de pouvoir en parler. Et c'est vrai que le deuil, il a un commencement, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Et le deuil, c'est plus un processus ouais, c'est un processus, c'est-à-dire, eh bien, il y a un déroulement qui peut être plus ou moins loin, plus ou moins long, pardon, en fonction de la relation qu'on avait avec cette personne, qui était cette personne pour nous, comment est décédée cette personne. Automatiquement, quand c'est une mamie ou un même qu'on a énormément aimé, mais qui décède, on dit bah, c'est normal, c'est la continuation de la vie. Mais quand c'est un enfant, on dit bah, non, c'est pas juste, c'est pas normal que cette personne soit partie avant nous ou avant les grands-parents. Donc, c'est vrai aussi le décès, on dit qu'il faut à peu près 2 ans pour une mort naturelle, 3 ans pour un accident et 4 ans pour un suicide. Mais c'est toujours des statistiques, bien sûr, c'est chacun le vit différemment. Si je peux décrire le deuil, c'est comme si c'était une brûlure à l'intérieur de nous, qui chauffe tout le temps et qui ne s'arrête jamais. Si je peux un peu le décrire, décrire ce deuil. Donc, il y a bien sûr différentes émotions. Là, on parle de choc, de traumatisme. Alors, automatiquement, nous, on a pu être préparés puisque même si on s'attendait pas à ça, jamais on aurait pu s'attendre à ça, même si on savait qu'elle était malade. Mais la première chose, c'est le choc, c'est le traumatisme, c'est dire bien, c'est pas possible, c'est arrivé, non, c'est vraiment un traumatisme dans nos vies. Même aujourd'hui, on le dit sur ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, comment on l'a vécu, la maladie, tout ça pour nous reste un traumatisme. La deuxième émotion, c'est le refus et le déni. Non. On veut pas que ça arrive. Non, c'est pas possible. On n'y croit pas. Même encore, hein, on se réveille, on se dit c'est pas possible. On regarde sa photo, on se dit c'est pas possible. Elle est pas partie. C'est pas vrai. Et puis il y a un autre sentiment, une autre émotion, c'est la colère. On est en colère, mais pourquoi elle? Pourquoi c'est arrivé?
pourquoi nous, et c'est cette colère à l'intérieur de nous. Ensuite, on passe par la phase de déprime, tristesse, pleurs, culpabilité. J'ai envie de dire, c'est un peu dans ce qu'on est, voyez. Ouais, et il faut pouvoir accepter, non pas qu'on fait une dépression telle quelle, mais on sent pas bien, on a perdu la joie, la paix, le goût. C'est-à-dire parfois on se lève, c'est difficile d'accomplir les tâches. C'est vrai qu'on n'a pas envie. Il nous manque le moteur, ce moteur, cette envie de. Donc, il peut y avoir de la culpabilité. Souvent, on pense qu'on n'a pas assez fait, on ne l'a pas accompagné comme il faut, et pourquoi. Et on pleure beaucoup. J'ai envie de dire, il n'y a pas un jour où on ne pleure pas. On se rappelle des moments où on a vécu avec elle, toutes les endroits où on repasse. On dit, tiens, tu te rappelles avec Fiona, là, on était là, on a fait ça. Fiona nous a dit ça à tel moment. Et c'est vrai que c'est une période qui peut durer longtemps. C'est pas à dire, bon, eh ben, ça y est, après vient la résignation. C'est-à-dire, eh ben, de toute façon, on n'a pas le choix, on accepte. Enfin, non, la résignation, c'est pas l'acceptation. C'est, on n'a pas le choix, on se résigne. C'est comme ça. Mais ça veut pas dire qu'on reviendra pas sur la colère, le déni. C'est pas un processus qui va d'un point A à un point B. Bien sûr qu'on met des numéros devant le 1, le 2, le 3, le 4, mais c'est des cycles. C'est-à-dire qu'on peut repasser par la colère. La résignation, c'est pas un bon sentiment parce que du coup, c'est se résigner et c'est souffrir, c'est d'être triste. Ensuite vient l'acceptation qui là, pour moi, c'est enfin, ça y est, on commence un petit peu à sortir du tunnel. Et ensuite, via la reconstruction, c'est-à-dire pouvoir faire des projets, vivre à nouveau, penser. Ça, tout ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais que la brûlure est moins intense. Ça fait toujours aussi mal. Moi, je dis quand un membre est coupé, un bras, il ne peut pas repousser. Donc, il faut vivre, pas avec, mais il faut vivre sans apprendre à vivre sans le membre. Et c'est ce qu'on essaye de faire pour l'instant, on n'en est pas là, c'est de pouvoir, c'est ça un petit peu la reconstruction, c'est apprendre à vivre sans la personne et de se reconstruire. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent il faut à peu près 6 à 24 mois, un deuil peut se faire. Mais j'ai envie de dire, mais ça encore, c'est des statistiques, c'est des chiffres, mais non. Chacun va à son allure et surtout, c'est important de laisser tous les deux. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on va à la même allure. Oui. Et ça, c'est bien, mais de se laisser du temps et surtout de traverser ce cycle en disant c'est normal. De passer par toutes ces phases, c'est normal. De pleurer, c'est normal. Et si des personnes nous disent « Ah, mais encore tu pleures, mais encore c'est pas fini », eh bien non, j'ai envie de dire non. Quand un membre est coupé, il est coupé. Donc, on peut rester sur une émotion pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on peut rester dans le déni plusieurs mois. Ce n'est pas automatique, c'est un cycle, mais c'est pas automatique qu'on puisse traverser toutes ces émotions. On peut rester sur une émotion en fonction du deuil, comment on le traverse. On peut faire un pas en avant, mais on peut faire trois pas en arrière. On se dit, ça y est, ce matin, ah, j'ai moins mal, je me sens mieux. Parfois, moi, il m'arrive le matin où je suis un peu mieux, mais le soir, pas d'abord, c'est reparti. Je pleure beaucoup, je suis triste, je suis écrasée par ce poids. Je sais que ça passera, on le sait, mais on a la foi et on a l'espérance. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on traverse. Il ne faut surtout pas dire, mais toi, tu as la foi, et bien finalement, non. On souffre comme les autres, sauf qu'on a une espérance. Mais la tristesse est la même, la douleur est la même. Donc, je disais, passer par toutes ces phases, c'est normal. Oui, en effet, on ne perd pas la tête. C'est tout à fait normal. Alors, on oublie beaucoup, énormément. On n'a pas la tête à tout. On n'arrive pas à prendre des responsabilités. On est vite paniqué quand il y a trop d'informations. On sent que nerveusement, on est plus fragile. Fragile, voilà, c'est vrai que c'est le terme. Donc, c'est vrai qu'il faut se laisser du temps. Il faut surtout pouvoir pleurer
être triste, déverser sa tristesse et ne pas refouler, ne pas dire « Ah non, faut plus pleurer, ça va passer. » Avant, quand quelqu'un portait le deuil, moi je sais que ma maman était italienne et à l'époque, elle a porté le deuil longtemps pour des membres de sa famille. Elle était habillée tout en noir. Et à l'époque, bon maintenant ça se fait plus parce que le noir il est à l'intérieur, il n'est plus à l'extérieur. Eh bien, quand on croisait une personne qui est habillée en noir, on disait « Ah, il faut faire attention à cette personne, elle est endeuillée. » Donc, on va en prendre cas et surtout, on va y mettre un peu de compassion et surtout respecter parce que c'est une personne endeuillée. Aujourd'hui, eh ben, le deuil, il faut vite passer à autre chose. Ça y est, c'est fini, une personne endeuillée. C'est 6 à 24 mois. Au bout de 24 mois, c'est terminé. Et j'ai envie de dire, c'est complètement faux. Et il faut se laisser du temps. Alors, c'est sûr que le deuil va nous transforme à jamais. Mmh. Et ça, on ne sera plus du tout les mêmes personnes. Le fait d'avoir perdu notre fille, même si on la retrouvera, mais à jamais, ça nous a transformés. Donc, vraiment, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de... Ça serait trop facile de dire, allez hop, on exerce la méthode de monsieur... Un tel, et ça y est, on sait que ça va passer. Non, comme je disais, il y a un commencement, mais on ne sait pas la fin de ce deuil. Et je voulais rajouter, je ne sais pas, tu veux rajouter quelque chose sur le deuil Non, je voulais dire que de toute façon, dans la chaîne, vous qui regardez la chaîne, un jour ou l'autre, vous serez confronté au deuil. Si ce n'est pas le vôtre, ça peut être un de vos parents ou de vos amis proches. Et... c'est bien que vous puissiez regarder cette vidéo parce que vous allez pouvoir aussi aider la personne et vous préparer. Parce que quand il y a eu Fiona, quand on nous a dit qu'il n'y avait plus de moyens médicaux pour la soigner et que c'était fini, on nous a dit qu'il ne restait plus quelques jours à vivre, ben on s'est préparé quand même. On s'est préparé à affronter le pire, quoi, le deuil. Et donc psychologiquement, après, ben c'est différent parce qu'on sait qu'on va devoir passer par ça. Et on sait que la souffrance physique de ce qu'on souffrait tous les jours, cette persécution de l'avoir souffert, elle va s'arrêter. Alors, comme l'a dit Antoinette, nous, on a vraiment une espérance, c'est même plus qu'une espérance, c'est une certitude qu'on a dans notre cœur, ayant fait cette rencontre avec Jésus-Christ, en étant devenu chrétien, non d'une tradition, d'une religion, mais comme je le dis souvent, mais d'avoir une relation simplement avec Jésus-Christ. Et c'est cette relation avec Jésus-Christ qui nous donne cette certitude de pouvoir être sauvés. Donc, on sait que Fiona, on va la revoir, qu'elle nous attend. Elle est dans un lieu de repos. Elle est dans un lieu de paix, d'amour. Et elle est certainement beaucoup mieux à l'endroit où elle est, c'est sûr, qu'à l'endroit où on est, nous, au moment sur Terre. Mais on a encore une mission à faire, c'est de continuer ce que Fiona avait fait sur sa chaîne. Et de le continuer parce qu'on sent qu'elle nous a laissé cette chose, ce cadeau, un héritage, et que cet héritage, il faut qu'on le transmette plus loin comme elle l'aurait fait. Voilà. Et puis en fait, souvent sur la chaîne, moi je lis tous les commentaires, et souvent on nous dit, nous laissez pas, continuez à faire vivre la chaîne de Fiona, ça nous fait du bien. Alors oui, on ne sait pas combien de temps on va continuer, mais en tout cas. C'est vrai qu'on veut continuer l'œuvre qu'elle avait commencée. Et c'est vrai que quand tu disais, on savait, on s'est préparé, mais en fait, on n'est jamais prêt. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer, quand elle était avec nous, c'était une telle douleur de la voir souffrir, de voir un membre. Et vous, je sais que vous accompagnez des personnes malades autour de vous. C'est tellement difficile, d'une impuissance terrible. Mais quand la personne est partie, eh bien, on ne pouvait pas s'imaginer comment on allait souffrir. Mmh. Et c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui me disent « Ah ben, vous allez quand même pas trop mal, mais tu n'es pas avec moi du matin jusqu'au soir, tu n'es pas à l'intérieur de moi, tu ne sais pas quand est-ce qu'à un moment, eh bien, je pleure jusqu'à ne plus pouvoir respirer et c'est tout à fait normal. » Donc, j'ai envie de… On est une chaîne. J'ai envie que cette chaîne, alors parfois il y en a qui critiquent, mais c'est pas grave. Hein, nous, je veux dire, avec ce qui nous est arrivé, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui puissent nous atteindre.
Mais j'ai envie que cette chaîne soit une chaîne solidaire, comme faisait Fiona. Elle encourageait les gens malades, elle encourageait les gens qui passaient par des moments difficiles. Et je reçois des fois des messages de personnes de 50 ans, 60 ans qui disent « Mais Fiona, elle m'encourageait !» Alors que elle, ça pouvait être leur petite fille. Mais elle dit « Mais c'est elle !» Il y a même une psychologue qui a fait un témoignage et qui dit « Mais moi qui suis psychologue, eh bien c'est Fiona qui me donnait le boost et c'est Fiona qui m'a aidé à m'en sortir pour une situation. » On dit « Mais c'est incroyable ce que notre fille a fait !» Et ça, ça c'est sûr que… Et sinon, j'ai deux, trois phrases aussi pour ceux qui accompagnent des personnes qui passent par le deuil. Donc, eh bien, j'ai envie de dire, ne cherchez pas à faire disparaître la tristesse de l'autre par des mots, par des paroles. Bien sûr, vous pouvez être bienveillant, vous pouvez apporter des chansons, vous pouvez des poèmes, des paroles, nous des paroles de la Bible, on nous envoie des versets, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas chercher à enlever la tristesse de l'autre. Dites-vous que la tristesse, c'est normal. Moi, une fois, un psychologue, enfin, quand on est passé par la médecine du travail, elle me disait, mais pourquoi pas prendre des médicaments? Alors, je lui dis, ben, je suis pas contre les médicaments. Si j'en ai besoin, oui, parfois on en prend pour dormir, parfois on en prend. Si vraiment les personnes sont complètement déprimées, elles doivent passer par cette phase de médicaments. Il n'y a aucun problème. Mais je lui dis, prends des médicaments, est-ce que ces médicaments vont m'enlever ma souffrance? Elle me dit, ben non. Et ben alors, je lui dis, ben pourquoi faire, j'en prends pas. Elle me dit, mais ça permet de réguler votre tristesse. Je lui dis, oui, mais si je ne suis pas triste, maintenant, dites-moi, quand est-ce que je vais être triste? De perdre son enfant, d'être triste, c'est normal. Alors, elle m'a regardée, puis elle m'a dit, ah oui. Je lui dis, une tristesse, c'est une émotion. Je pense qu'on est créé avec des émotions. Dieu nous a créé avec des émotions. Et ces émotions sont normales et on doit les faire sortir. Alors, il y a une autre pour les accompagnants. Donc, votre présence. Ne cherchez pas à faire tout un tas de choses, mais déjà votre présence, votre amour, votre empathie, votre compassion auprès de la personne qui est endeuillée, c'est important. Il faut aussi aller au même rythme que la personne. Ne pas chercher... aller trop en avant, c'est-à-dire ne pas lui dire « Bon, allez, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, tu dois yaka. » Alors ça, les yaka et tu dois, c'est même pas la peine. Pour les personnes endeuillées, c'est pas bon. Il faut laisser, il faut aller au rythme de la personne. Est-ce que tu voudrais qu'on puisse faire telle balade et la personne, moi je sais que j'ai mon amie Laurence qui me dit « Au dernier moment, si tu n'as pas envie, si tu ne veux pas, tu dis non. » Et c'est vrai qu'elle me laisse cette liberté, elle me propose des choses, mais au dernier moment, elle sait que je peux lui dire non, j'ai pas envie, j'ai plus envie. Parce que parfois, on a envie de voir du monde, mais parfois, on n'a envie de voir personne parce qu'on a envie de se retrouver avec sa tristesse. J'ai envie de dire, on a envie de sortir de cette tristesse, mais en même temps, cette tristesse nous rassure parce qu'elle nous fait ne pas oublier la personne décédée. Et je sais que c'est pas être anormal de penser ça, mais c'est une protection et puis c'est tout à fait normal parce que c'est comme un accouchement. Il y en a qui préfèrent pas avoir péridurale parce qu'ils disent je veux vivre pleinement la souffrance. Et moi j'ai envie de vivre pleinement cette souffrance, non pas que je la veux, mais que quelque part c'est normal. On sait que on va sortir du tunnel, ça on le sait. Mais pour l'instant on est dans le tunnel. Et puis, il y a une autre parole aussi qui nous dit parfois, alors, ça va? Hein, ça va? Eh ben non, ça va pas. Et ça, je leur dis, mais, et je réponds pas en général. Et puis, on me dit, hein, ça va, hein? On revoit Fiona, là, qui parle. Ouais. Et je lui dis, ben, et je réponds pas, puis elle insiste. Et puis, je lui dis, mais, ben non, ça va pas. Tu serais comment, toi, si tu... Et elle dit, ben ouais, mais désolée. Mais plutôt dire, alors, comment tu te sens? Voilà, c'est différent de « alors, ça va, hein ?» Alors, ben non, ça va pas. Et la personne a besoin, finalement, de se rassurer en vous disant « est-ce que ça va ?» Parce que si toi, tu vas, moi, je vais aller bien, je vais aller mieux. Mais non, pourquoi faire plaisir encore en disant que nous, on va bien pour rassurer l'autre? Eh bien, non. Et j'ai la chance d'être accompagnée, on a la chance d'être accompagnée par des amis très précieux
Ça, c'est qui important. sont là à nos côtés et on peut parler. On a des personnes aussi qui sont psychologues chrétiens à qui on a pu discuter, qui accompagnent des personnes dans la relation d'aide et qui nous disent, mais c'est normal, tout ce que vous traversez, c'est normal. Si vous devez aller voir un psychologue, un psychiatre, si vous devez prendre des médicaments parce que ça va pas, eh bien, faites-le, ayez cette liberté. Parce que tout est chamboulé, le sommeil est chamboulé, l'alimentation est chamboulée, notre être est chamboulé, tout est chamboulé. Et en fait, c'est comme si on passait par là. C'est une tempête. C'est une tempête qui ne s'arrête pas, mais qui cessera. Parce que après la nuit, vient le jour. Il y a eu un jour. Il y a eu une nuit. Et il y a eu un matin. Et nous, on croit que le matin va arriver dans notre vie. Parce que quelque part, même si parfois on a ce sentiment de vouloir partir et d'aller rejoindre notre fille, c'est normal, c'est la déprime, c'est ce qui nous tient. Mais on sait que on a des choses à faire encore sur cette terre et qu'on a nos autres enfants, on a nos petits-enfants, on a nos amis précieux. Et donc, on s'accroche quand même à ça. Voilà. Donc, alors, merci pour cette vidéo. Regardez cette vidéo. Sachez que si vous passez sur cette chaîne, que vous avez trouvé les vidéos de cette chaîne, c'est pas le hasard. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, je me suis retrouvé sur votre chaîne, j'ai voulu regarder une vidéo, mais je crois que c'est pas le hasard que je sois là. Elle regarde toutes les autres vidéos. Et souvent aussi parce que quand, comme nous, on est chrétien et on a rencontré le Christ et du coup, notre vie a été transformée, changée. Et donc, on sait qu'on a cette foi, cette espérance que Fiona, elle va nous attendre là-haut et qu'on va arriver, tous ensemble, tous ceux qu'on aura connus, tous ceux de notre famille, mais d'autres personnes aussi, bien sûr, et on restera pour l'éternité dans un endroit, comme dit la Bible, de paix, de joie, et Dieu effacera toute larme de notre vie, toute tristesse, puisque les sentiments, ces sentiments n'y seront plus. Il n'y aura que l'amour, que la joie et la paix, alors que dans ce monde, forcément, il y a des choses mauvaises, la maladie, la guerre, et ça, c'est dû au fait que les ténèbres sont autour de nous. Jésus l'a dit, que ce monde gît sous la puissance du mal, et donc il s'est pas trompé, et ce qu'il a dit, il a dit que même dans les derniers temps, les gens seraient irreligieux, emportés, aimant le mal plus que le bien, et ils seraient égoïstes, et on est vraiment dans cette génération, dans ce temps. Et donc, on voit bien, les gens n'ont pas besoin de leur dire, ils voient que plus les temps avancent et plus ils disent, avant, il n'y avait pas ça, avant, les gens n'étaient pas comme ça. Et on voit qu'il y a quelque chose en train de changer. Et justement, cette chaîne, elle a pour but de s'entraider, de vous aider. Et si vous avez besoin encore, je vous laisse mon mail et vous pourrez nous contacter, envoyer un message. On a prié pour plusieurs personnes qui nous ont contactés, étaient très contents parce que les gens qui étaient bloqués sur certains points, et on a pu leur expliquer les choses, et ça les a débloqués. Voilà. Donc, on ne vit pas son deuil, on le traverse. Voilà. Et donc, on est de tout cœur avec vous. Je sais que cette communauté, c'est comme une famille. Je sais que Fiona aimait énormément sa communauté. Mmh. Et à cause de cette communauté, on se dit, on ne peut pas laisser tomber, il faut continuer. Mmh. Mais vraiment, en tout cas, on vous remercie énormément pour tous les commentaires. Mettez des pouces, encouragez-nous. Alors, des amis à nous bien-aimés qui nous ont offert ce livre, et c'est vrai qu'il est très bien. Par contre, c'est vrai que c'est pour ceux qui sont croyants. Alors, il y en a qui m'ont dit qu'il y avait d'autres livres qui existent. Il y en a plein des livres, mais en tout cas, celui-là nous a beaucoup aidé. Il est de qui, celui-ci, dis-moi. De Tony Koch. Koch. Et puis celui-là aussi, qui est très bien, qui nous a fait comprendre des choses, bien sûr, qui nous aide à traverser au mieux ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, c'est des livres qui sont vraiment pour ceux qui sont croyants. Donc, ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas la foi, eh bien, vous pouvez lire autre chose. Ou alors, après, vous pouvez les lire aussi. Mais sinon, ils vont accrocher sur d'autres livres. Nous, on nous a donné des références, d'autres livres, mais qui ne nous intéressent pas. Voilà, donc chacun trouve sa ressource pour pouvoir avancer. Et puis, on vous dit
Merci encore, on vous fait plein de gros bisous. Ciao, 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 ciao. Et à jeudi prochain.